enfants. Je considère qu'il y a, nous avons un seul pays qui s'appelle la France, et j'ai une seule carte d'identité, c'est ma carte nationale d'identité. Bon, je suis à la fois de droite, je suis à la fois de gauche. Et je vous donne un exemple pour que les Français puissent comprendre. Prenons l'exemple de la police. Je suis à la fois pour une police de prévention, mais je suis aussi pour une police d'autorité. Donc certains diront que la police de prévention, c'est plutôt à gauche, et d'autres diront que pour la police d'autorité, c'est à droite. Donc je suis les deux, je suis tout simplement français. Je suis tout simplement français. Je suis tout simplement français. La coupe, ça c'est grave. Et mon idée, c'est de former un gouvernement d'union nationale qui représenterait l'ensemble des tendances démocratiques du pays. Donc si je suis élu le 6 mai prochain, dans mon gouvernement, il y aurait des femmes et des hommes de gauche, des femmes et des hommes de droite. Car ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'étiquette politique, c'est la compétence et l'amour du pays. Car ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'étiquette politique, c'est la compétence et l'amour du pays. Donc vous n'auriez pas de cas de conscience à prendre des députés du Front National ou des députés communistes intégrés à votre gouvernement d'union nationale? Je parle bien de tendance démocratique du pays. À partir du moment où il y aura des candidats, par exemple des députés du Front National qui accepteraient d'appliquer le programme du gouvernement pour lequel les Français auraient été élus, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait des députés du Front National qui participent à ces gouvernements à partir du moment où ils respectent réellement les valeurs de la République, les valeurs de tolérance et les valeurs de respect de la différence. Il faut avoir une position d'humilité, travailler avec des femmes et des hommes qui ont des compétences, qui aiment notre pays et qui veulent servir la France et non pas s'en servir de la France. Qui aiment notre pays et qui veulent servir la France et non pas s'en servir de la France. Dormez. Des enjeux stratégiques dans une guerre qui parfois nous dépasse. Moi j'aurais souhaité que mon pays, la France, Pour tester ce jeu de cartes citoyens, accueillons tout de suite le président de l'association I Love Europe, et inventeur de ce jeu de cartes, Monsieur Rachid Nekaz. Bonjour. Vous présidez le club des élus Aller France. Le club des élus Aller France que je préside a des... Le club des élus Aller France que je préside a des... Vous pouvez parler, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai promis à vos collègues de renseignement qu'on allait juste rester une minute pour le principe et on va se mettre au coin là-bas. D'accord. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Donc j'ai promis à vos collègues de renseignement... J'espère être à l'image des trois premiers présidents de la République de la Ve République, c'est-à-dire De Gaulle, Pompidou et Giscard. Vive la France, vive la République et vive les Français. Très bien, Rachid Nekaz, merci à vous et puis bonne chance pour la campagne présidentielle. Hein. Merci à vous et bonne chance à vous pour notre campagne. Merci. Fiqou, bittariqa qanouniya, fiqou, bittariqa silmiya, fiqou, bittariqa demokratiya, bassa fiqou.